Bien salut à tous, c'est Kenji et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Act of Aggression qui est un jeu de stratégie développé par Eugène System et édité par Focus Entertainment. Si vous ne connaissez pas ce qu'est Act of Aggression, c'est très simple, c'est le fils spirituel de Act of War qui est une sorte de copie de Command & Conquer Generals. Si vous ne connaissez aucun de ces jeux, bon alors c'est comme Starcraft, vous faites une base, vous récupérez des ressources, vous faites des unités, vous pétez la gueule à ceux qui sont en face. Voilà. J'ai essayé à peu près 4-5 fois de... Trois fois de faire en escarmouche, je me suis tout en fait péter la gueule. Pour une raison qui m'échappe, j'ai fait à chaque fois en 3v3, et l'IA, l'ennemi en face, se concentrait sur moi. J'ai pas compris pourquoi, mes copains sur le côté, ils étaient tranquilles, ils se baladaient. Moi, ils m'en voulaient pas, ils voulaient me tuer en premier, et les autres, bah, c'était après. J'ai pas compris pourquoi, j'ai peut-être des parano, mais bon, c'est pas grave. Ah, vous savez quoi, on va le montrer en image. Allez, je vais montrer ça en image tout de suite. Alors attendez, où est-ce qu'on trouve la... Où est-ce qu'on trouve la difficulté au fait? Moyenne. Allez, on va faire en facile, vous savez quoi? Attention, enfin en facile parce que pour changer, il y en a marre. C'est trois fois que je fais péter la gueule par les mecs. Voilà, facile, 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 facile. La dernière fois, j'avais fait une vidéo sur la bêta fermée, j'ai joué le, comment s'appelle ça, l'US Army. Là, je vais jouer le cartel. Donc, ce que j'ai compris, c'est un gameplay qui est relativement différent de tous les autres. Et on va découvrir ça ensemble. Chimère. Non, cartel. Voilà. Voilà, voilà. Et go. Ça ressemble à un T-50, tiens. Oh, génial. Donc le but, si vous ne connaissez pas, donc là on a notre écho de reconnaissance qui, bon je sais pas qu'est-ce qui lui arrive, un drone de reconnaissance, et son but, bien entendu, c'est là, c'est de repérer, pardon, tous les gisements de ressources, parce que les ressources, elles se récupèrent de cette manière. On a trois ressources, comme vous pouvez le voir en haut, on a les dollars, minerais, enfin l'aluminium et les métaux précieux. Alors, attendez, juste mettre des raffineries. Voilà. Et le but, c'est de récupérer toutes ces ressources. C'est une façon de le faire. La seconde façon de le faire, pour récupérer les dollars au moins, c'est de poster de l'infanterie dans ces bâtiments. Donc, sur les seules cartes, c'est carré jaune. Et pour faire ça, bon, en fait, ils nous permettent de récupérer des dollars. Voilà. Allez, on va essayer de le faire de la joie à la bonne humeur qui nous caractérise sans. Ouais, t'es content, t'as trouvé du pétrole. Oh, mon dieu, elle est contente. Ah. Donc, mais elle a toujours la même surprise dans sa voix, la même joie dans sa voix, c'est magique, c'est beau, ça me laisse rêveur. Bref. Allez, qu'est-ce qu'on a? Bref, sans s'en moque, qu'est-ce qu'on a? Oh, mode d'extension, papa. L'artillerie. Ah, mais c'est pas ça qu'il me faut, moi ce qu'il me faut c'est la défense, des petites toiles pour défendre, bref. Là que j'en ai pas. Toi, t'es quoi, toi? Charge tandem. Ok, alors, on va déjà mettre des bonhommes là-haut. Il en faut combien? Donc, 1, 2, 3. Toc, toc. Toc. Voilà, on va faire ça. Toi, tu vas aller là. Et on va faire 1, 2, 3, 4 et 5. Ok, c'est tout ce que t'as trouvé? T'as pas trouvé plus d'aluminium que ça? Oh merde, ça peut être bon, ça. Attendez, on a que deux postes d'aluminium. Trouve-moi, mais faut que tu me le trouves ce truc. Je me moque de ce que je dois payer. Enfin, non, je me moque pas, mais. Ah, s'il te plaît, mais trouve-moi l'aluminium, j'en ai besoin. L'aluminium, c'est tellement chiant à trouver. Autant les dollars, on peut en trouver assez facilement, mais l'aluminium. Ah, c'est chiant. Bref. Et les métaux précieux, pour l'instant, on a trouvé que ici. Oh, c'est beau, une course poursuite au clair de lune. Ah non, il n'y en a pas. D'accord. On n'a pas beaucoup de métaux précieux, c'est pas bon. Parce qu'en fait, les ressources que vous voyez ici sont générées aléatoirement. Si je ne me trompe pas, les emplacements sont fixes, mais les ressources sont aléatoires. Bref. Allez. Building completed. Bien. Allez, on va pouvoir un petit peu les emmerder, les bonhommes en face.
Tiens, petite chose intéressante à savoir, la dernière fois que j'ai fait une vidéo sur ce jeu, je suis pris donc une petite remarque de la part de YouTube comme quoi c'était la musique copyrightée. Merci, jeune système, d'avoir pris de la musique copyrightée. Ça fait toujours plaisir, sachant qu'en plus je ne savais même pas que ça aurait pu être copyrighté cette musique. Ah, ça c'est vraiment agaçant quand vous avez une musique dans le jeu, vous faites oh la musique est sympa, bon voilà, et puis vous faites même pas gaffe, et après vous vous rendez compte, merde, cette musique était copyrightée, merde, bah allez, tire! Tire! Putain, la cadence de tir est lente. Terre! Terre! Ah. Danke, Dunkoff. C'est vraiment, mais c'est joli, mais je sais pas, ça fait un peu, j'en sais rien. Je sais pas, j'arrive pas à trouver mes mots. Ça me, en fait, les traceurs me gênent. Ça me gêne de rien dire. Allez, non pas lui, toi. Toi, s'il te plaît, tu vas tirer ici. Voilà, on dirait que c'est des lasers. Je sais pas, ça fait bizarre. Ou alors c'est juste moi qui dit des conneries, puis voilà. Hey! Le Hyde là! Hey, bute-moi sur Hyde! Waouh, 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 waouh! Qu'est-ce que tu fais toi? Quoi? Ils ont tué Kenny, les bâtards! Eh hey, merde. On n'a pas le mitre. Ah. Pas bon. Ok, qu'est-ce qu'on a? Toi. Non. Toi. Non, marchera pas. Ah. Bref. Oh. Déploie de véhicule de réparation. Ouais, pourquoi pas. On va essayer de sécuriser le middle. Building completed. Bien. Ah, j'en ai bien. Ça, il avait perdu celui-là. Oh, on peut capturer ces bonhommes-là. Eh ben, on va le faire, aucune pitié. Ah, non, on peut pas. C'est pas le bon sol. Ok, donc il faut des soldats normaux. Il faut l'infanterie régulière. Toi. Toi. On a besoin d'esclaves sexuels. Viens là, je vais chercher. Vous l'avez rien entendu. Black Ops. Black Ops. Si vous pouvez dire ça pour le Black Ops 2. Oh bon, Black Ops 3. Oh. Allez, on va les arrêter. Prisonniers de guerre. Ah, ah. Non, j'ai con, on n'en fait pas. Ah, intéressant. Attendez. Toi, tu vas me chercher. Alors, où sont les métaux précieux? On n'en a pas trouvé dans le coin d'ailleurs. C'est un peu étrange. Voilà, on va récupérer le maximum. Il n'y en a pas assez d'aluminium. Oh. J'ai pas l'infanterie qui se baladait. C'est quoi toi tu veux là? Oh bah attends, mais je suis bête moi. Il y a plein d'aluminium juste à côté, je le prends même pas. Ah mais je suis bête. Attendez, j'avais juste à côté, j'ai même pas fait gaffe. Quel schtroumpf bêta. J'ai une idée. C'est quoi comme unité qu'on a? Lance-roquette, ok. Attends, laissez un là. Oh, c'est ce que je pensais, c'était une erreur. Vite. Aïe. Saloperie de char furtif. Quoi?
Ils l'ont pris en combien de temps, ce truc-là? Salaud! Unit lost. Salaud. Yes, hello. Voilà. Nah, y a pas. C'est quoi, centre de contrôle aérien, je m'en moque. Héliport, ça il me faut. Donnez. Gimme, gimme. Et il nous faut un labo. Nah, ils sont pas. C'est des mensonges. Il est où, bonhomme? Il est là. Et tu peux pas savoir que je suis là, j'y suis pas. Bah attends. Unit lost. Quoi? Lequel? Quoi? Mais il tirait! Building completed. Building completed. Vite, tu peux la voir. Rentre dedans. Parfait. Wouah, c'est quoi ces bruitages? Je suis un chrome bêta, moi. Et j'ai totalement zappé de faire des stingers. Ah, c'est pas possible! Non, ils sont pas. Mensonge! Upgrade completed. Ça, c'est bien. Un Shadowhawk. Un Comanche. Ah! Unit lost. Mais il me vole pas mon machin! Tenir sa position, le mec est presque mort, mais bon, il doit tenir sa position, c'est obligatoire. Les Comanches sont des hélicos furtifs de la mer américaine. Hein. Le prototype n'a jamais abouti. Stock. Donc toi tu vas les stocker. Et toi tu vas en produire. Il nous faut avoir plus d'électricité. Mais le prototype. Attendez. Toi. Building completed. Non. Mais le labo furtif, il est où? Ah, il est là. Ah. Je vois. Storage capacity has reached its maximum. J'ai aucune idée de ce que c'est comme unité. On va essayer de faire des tanks. Ah, les tanks sont là. Prêt. Bien, génial. Alors. Ok. Très bien. Et on va faire. Main. Je sais pas trop quoi. Je sais pas quoi ça sert. Ça, enfin, c'est une artillerie, mais je sais pas trop comment ça s'appelle. Mais j'ai pas de truc de soin ou que je suis comme ça. J'ai pas fait gaffe. Centre de réparation. Est-ce qu'on a pas un centre de soin ou que je suis comme ça? Oh, joli. C'est quoi? On va essayer ça? Ah, on va essayer ça. Très bien, nos chars sont prêts. Eh non. Par contre, on n'a plus du tout de métal. Pourquoi? Toi c'est bon. Est-ce que ça nous rapporte plus d'argent si on met des soldats dedans? Tiens. On va faire le test.
Stealth enemy detected. You're the boss. Aucune idée. Non. Bon, essaie d'attaquer. Oh, génial. Let's rock and roll. Bon, il va nous falloir par contre des anti-air parce que là, ça ne risque pas de le faire. Là. Toi, tu vas me sortir. Et tu vas aussi prendre... Ah, cool celui-là. Un LOSAT. Ouais, c'est ça. Allez, parti. Attends, non, on va faire aussi ça. On va faire ça. C'est quoi ce machin? Oh! Oh, génial. On va prendre. Storage capacity has reached its maximum. Attends, et toi aussi là. Upgrade completed. Ça, c'est quand même bien ce système. Scène de construction, je trouve qu'il est sympa. Allez, bien. Allez, on va pas emmerder les méchants. Automatic ready. Sachant que c'est italien, mais bon, c'est pas grave, je t'en veux pas de faire un accent russe. Parce que c'est vrai que les Russes, c'est toujours très méchant. Oh, F-35. Ah! Va-t'en. Bien. Et vivra le terrible de la mère patrie. C'est quoi toi? Oh. Wouh. Une super arme. Génial. Hein? Allez, feu l'artillerie, feu! Allez, on va attaquer par là. Attendez, il la sabat juste ici? Hmm. Bien. J'ai des hélicos, si je me rappelle bien, on va les appeler. Unit is under attack. Oh là, oh là, oh là, oh là, cluster, 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 allez-vous-en. Saloperie ce machin. Oh, ça y est toi. Ah, montre-moi ce que tu sais faire. Il n'y a pas d'ennemis. Ah si, il y a des ennemis. Alors montre-moi ce que tu sais faire. Eh pas vrai. Bon, ok, il y a une unité qu'il faut que je pète la gueule là. Je vais péter la gueule à quelqu'un et ce sera cette unité.
J'adore comment les échos se déplacent, c'est magique. Ok, on va passer par là. Mais ils tirent sur quoi? Bizarre. Oh, il est cool, c'est Lico, ce Shadowhawk. Aouh, attends. On va le ramener à la base. J'ai pas une unité? Non, c'est pas moi ça. Mais. Bien. Il y a un ennemi en moins. Oh, c'est vrai, j'avais oublié ça. J'avais oublié de gérer ça, tiens. Toi, non, non. Ah. Les specs, c'est pas les tanks? Specs, si. Upgrade completed. Unit is under attack. Upgrade completed. Bien. Ça ressemble à des toiles, ça. C'est une tourelle. Et détruite. Ah, la base est mise juste là. Parfait. On peut pas faire un truc machin? Ouais, on peut. Je vais voir ça, je vais voir ça, je vais voir ça, je vais voir ça. J'ai même reçu un succès. Alors, ça ressemble à quoi? 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 Tire! Bah alors? Tire pas? Ça, c'était badass. Stealth enemy detected. C'était badass. Stealth enemy detected. Plein de tanks. Plus de tanks. Na 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 na. Très bien, on continue. C'est quoi, on va même faire des trucs à rien, tiens. Là. Alors, bon, les icônes, on en a assez. Ça va, ça va. Ah, c'est bon. Cette musique, je sais pas pourquoi, mais j'ai sursauté, j'ai écouté ça, je suis... Oh putain, qu'est-ce qui se passe là? Honnêtement, c'est la musique la plus effrayante pour un... C'est le son le plus effrayant pour un jeu de stratégie. Mais tout...
tout est furtif, mais c'est tellement cheaté cette faction, putain. Et leur unité n'a aucune résistance, la puissance de feu est médiocre, mais putain, c'est tellement cheaté d'être invisible comme ça. C'est génial. C'est génial, c'est génial. Ils sont lents, les bonhommes, qu'est-ce qui arrive? Wow. La puissance de feu, ce machin, c'est génial. Building completed. Ah, bien. Ah, la ferme. Ok. Non. Bien. C'est quoi ça? Non. Ce que je sais, c'est au sol. Et ça, Valkyrie. Oui. Upgrade completed. Ah, je vois. Stealth enemy detected. Oh, on va leur péter la gueule. 1 et 2. Ouais. Let's drop bomb. Ensuite. Stealth enemy detected. Ok, on va venir de par là. Je vais vous faire le tour. I don't want to save the world. I'm on fire. I just want to stop a flame in your heart. Est-ce que tu veux, espèce de... Ouah! Il s'est fait éliminer! Ouais, et puis merde, vas-y, fonce. C'est quoi, j'en sais rien, je m'en fous de ce que tu fais, je sais pas ce que tu vas devenir. Et vas-y! Attaque! Mes vaillants compagnons! Qu'est-ce que c'est que ce machin? Oh, on a gagné! J'ai gagné un succès, tiens. Alors, level up. Attends, niveau 2. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a gagné? Victoire, on a tué 510, c'est perte. Putain, mais tous les succès. Bon, on pouvait pas les voir, mais là, j'ai bloqué plein de succès, là. Alors, des jeux, des équipes, blablabla. Score. Sympa. Donc, ce que je viens de comprendre, c'est que lorsque je suis en moyen, en mode moyen, les alliés sont inutiles. Eh, c'est pas un rafale ça d'ailleurs? Si, c'est un rafale, tiens, il est super étendard. Bref, les alliés sont inutiles et les ennemis se concentrent sur vous et que vous êtes en mode facile. Les alliés sont utiles et les ennemis sont cons comme la lune, mais ils attaquent quand même. En fait, c'est en mode facile, c'est en mode normal quoi. D'accord, j'ai quand même peur pour voir à quoi ça ressemble moi, le plus isolé. C'est quoi le nom de la difficulté plus avancée? Tiens, attendez. Ça va jusqu'à où? Jusqu'à très difficile. Ah, il porte bien ça dans le casque, lui. Ouais, je pense que ça sera pour une autre fois, hein. On verra une autre fois. Bref, donc je vais jouer un peu plus à ce jeu. Et j'essaierai d'avoir. De le retourner, en fait. Et de vous donner mon avis final par rapport à ce jeu. Mais en attendant, j'espère que cette petite découverte vous aura plu. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Et n'hésitez pas à laisser un petit j'aime, un commentaire. Et surtout à vous abonner si c'est pas déjà fait, si vous voulez pas rater d'autres vidéos. Et on se retrouvera à la prochaine vidéo, tiens. Allez, bye tout le monde. Bye.